Au terme de la deuxième journée en Bolivie, Colette et Léa ont été éliminées de la saison 17 de Pékin Express, le choix secret. Pour Télé Loisirs, la tante et la nièce reviennent sur leur aventure semée d'embûches à cause de l'altitude, notamment. Le premier numéro de la 17e saison de Pékin Express a été diffusé ce jeudi 16 février sur M6. 8 binômes de candidats ont pris part à la compétition qui s'offre, cette année, un itinéraire pas tout à fait inédit. Déjà visité dans la 3e édition du jeu d'aventure, à la Bolivie et le Brésil s'ajoute le Paraguay, au tracé de la course. Seuls les finalistes auront la chance de déambuler dans les rues de Rio de Janeiro lors de l'ultime étape présentée par Stefan Rothenberg. Ce soir, si est sur les hauteurs de La Paz, que Colette et Léa ont brillé, malheureusement pas assez pour remporter l'étape initiale. Traînées en duel, les pétillantes marseillaises ont eu moins de chance à l'autostop que Nathalie et Energy, le duo d'inconnus, et se sont fait éliminer. La tante de 54 ans, victime du mal des montagnes, et la nièce de 22 ans nous racontent le périple d'une vie. Interview. On s'est vraiment demandé est-ce qu'on va réussir? Télé Loisirs, qui de vous deux a eu l'idée de s'inscrire à Pékin Express? Colette, c'est moi, car j'ai toujours voulu faire cette émission. Et si je devais la faire, c'était avec Léa et personne d'autre. Léa, je l'ai toujours regardée et à chaque fois que je regarde la finale de ce jeu, je pleure. Je me disais un jour j'y serai avec ma tante, car je ne me voyais pas le faire avec quelqu'un d'autre, d'autant plus que c'est réciproque. Avant votre départ pour l'Amérique du Sud, comment vous êtes-vous préparé pour l'émission? Colette, j'ai fait beaucoup de sport, de la musculation, de la course, du cardio. Léa, pour ma part, je redoutais la barrière de la langue. On ne savait pas vers quelle destination on allait s'envoler, donc on a révisé un peu l'anglais et l'espagnol. Mais on avait vraiment que quelques notions. Colette, et on s'est quand même bien débrouillé. Dans quel état d'esprit étiez-vous à la fin lors de la toute première journée de course? Léa, dans un premier temps, on était stressé, puis on s'est dit on y est, l'aventure commence. On a ressenti toutes les deux de la détermination. Colette, le niveau des épreuves était difficile. Léa, mais on avait tellement d'adrénaline, qu'on y est allé à fond, on ne calculait pas grand-chose. On était à fond dans la compétition, malgré la difficulté des épreuves. On ne s'en rend pas compte en regardant la télé, mais dès que Stéphane nous a annoncé les épreuves, on s'est vraiment demandé est-ce qu'on va réussir? Colette, je suis allé jusqu'au bout de ce que je pouvais donner. Le deuxième jour a eu lieu l'épreuve d'immunité, mais Colette, vous ne vous sentiez pas bien. Que s'est-il passé précisément? Je pense que c'est l'altitude, ça nous a beaucoup freinés. J'ai donné tout ce que je pouvais, je n'ai pas lâché, jusqu'au moment où mon souffle a complètement été coupé. Ça a été très dur, je n'arrivais plus à respirer, j'avais les poumons compressés. Comment se fait-il que la production n'était pas au courant de vos problèmes de santé? Parce que je n'en ai jamais eu jusqu'à mon arrivée en Bolivie. Le traitement donné par le médecin de la course a-t-il été efficace? Oui, oui, mais malheureusement pas trop, seulement à court terme. Quand j'ai repris l'autostop, je n'étais pas vraiment en forme. Avez-vous songé l'une comme l'autre à arrêter la course? Colette, non, quoi qu'il arrive j'étais déterminé à continuer, je suis allé jusqu'au bout de ce que je pouvais donner. Léa, on est très déçu d'être éliminé en premier de Pékin Express. Vous avez quand même pu faire le duel final face à Nathalie, mais pas de chance, l'enveloppe était éliminatoire.
Léa, oui car les médecins de la production étaient confiants au départ par rapport à l'état de santé de Colette. Vous êtes donc les premières éliminées de la saison. Pas trop déçu, Léa, si, on est très déçu, on voulait aller le plus loin possible. Donc, être éliminé en premier, c'est une très grande déception pour toutes les deux. Mais c'est le jeu, il fallait bien qu'il y ait un binôme désigné. Colette, on l'a quand même bien pris. Léa, on y est parti, c'est déjà vous. Avec le recul, comment avez-vous vécu cette expérience ? Colette, j'en garde un super bon souvenir autant des paysages que de Stéphane, Rothenberg. Léa, c'est vraiment un ensemble de choses, nos galères, nos bons moments, toutes les émotions que l'on a ressenties. On les gardera gravées à jamais dans notre cœur. Puis l'avoir partagé avec ma tante, c'est encore plus satisfaisant. À lire aussi Pékin Express 2023, date, candidat, nouveauté, lieu de tournage. Toutes les infos sur le choix secret, la nouvelle saison du jeu de M6.